Et viens te donner. Ah, Didi, il est gentil, hein. Didi, mange tout. Eu sou Alicia, ela nos convidou se ficou de volta. Eu posso arrumar da tarrafla, até e me ensinar mais nada que. Je souhaite le meilleur pour elle. Je souhaite le meilleur. Puis en tout cas, que Dieu fasse que les ONG puissent nous aider pour le code de la petite et tout ça. Oui, la loi, oui. La loi est un peu dure. Les Tunisiens, partout où je passe, où je travaille, toutes les femmes me viennent en aide. Franchement, ils m'aident. Je ne veux pas dire m'aide. Partout, mais il y a les mauvais et puis il y a les méchants. Donc on ne peut pas juger tout le monde au même niveau. Enfin, excuse-moi du thème, mais quand ils vont chez nous, ils sont plus à l'aise que quand nous on est chez eux, quand on est ici. On les respecte, on les prend comme des frères et tout ça, mais par contre ici là, non, c'est pas intérêt. Ici en tout cas, vraiment, ici c'est difficile. Je veux de l'aide sociale pour les enfants, de l'aide psychique pour les enfants. Voilà, tout ça, mais sans te besoin de ça. Bon, je suis venu pour travailler, pour traverser. J'ai pas une amie, on est venu ici. Elle a dit non, ici est bien, il y a le travail ici. Que si on est ici pour partir en Europe, ça sera facile et tout ça. Donc, on s'est encouragé, mon père dit, ah, comme ici il y a le travail, pour partir en Europe, c'est facile. Non, pourquoi pas venir ici et puis partir? Parce que je suis venu ici avec ma grande soeur. Et quand on est arrivé, celle qu'on est venu de elle, elle nous a escroqué notre argent de poche. Elle allait au Maroc avec. Et on est resté une année après, j'ai pris la grossesse de ma fille. En tout cas, c'était un peu difficile et tout ça. Et ma soeur, elle a traversé. Elle est partie, je suis restée chez la fille avec mon mari. Ça se fait, ils font venir des gens, ils prennent notre argent et tout ça, ils les mettent dans le contrat. C'est parce que, puisque ici, pour sortir, c'est difficile, il faut avoir une pénalité. Il faut payer une pénalité ou bien tu passes par ONG. Alors qu'il y a d'autres ici qui veulent faire le commerce, aller en Côte d'Ivoire, venir, mais qui n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas. Donc, ils se disent pourquoi pas traverser. Au moins, là-bas, je peux avoir une meilleure vie. C'est ça aussi qui pousse les gens aussi à aller prendre l'eau. Par exemple, regarde mon cas. Ici, ça fait 8 ans que je suis là. Si je rentre, je suis venu avec quoi? Rien. Je suis seul avec mes copains de mes enfants. Quel avenir je vais leur apporter? Qu'est-ce que je vais faire pour eux demain? Je dois continuer, je dois avancer, m'occuper de ma famille. Le rêve, c'est d'avoir une meilleure vie, de quitter ici même. Moi, c'est M. Nyueri Ange Vincent. Voilà, je suis le père à Maël Alicia. Et j'ai 2 enfants qui sont nés ici sur le sol tunisien. Alicia, elle est née en 2014, en février. Alicia va ici à l'école maintenant, dans une école tunisienne. Vu l'adaptation que les enfants sont nés ici, il est un peu difficile de s'intégrer. Pourtant, ils sont nés ici, on a fait les extraits tunisiens. Les enfants vont à l'école tout, mais l'intégration est un peu difficile. Donc, puisqu'ils sont déjà nés ici, donc si bon, l'État tunisien pouvait un peu modifier le processus d'intégration vis-à-vis des étrangers, entre guillemets, bon, des subsahariens, ça serait aussi une très bonne initiative et une bonne chose. Parce que c'est cette terre-là qui les a vus naître, la deuxième génération, tu vois. Donc il faut bien la construire. Nous, on se bat de nos côtés pour avoir tous les statuts
Mais il suffit que pour les enfants, on ignore tout. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. Ivoiriens ou Tunisiens, bon, ils sont déjà Ivoiriens, ça c'est sûr. Maintenant, du côté de la Tunisie, ça c'est entre parenthèses, on ignore jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien à l'horizon. Avec la Tunisie, l'État tunisien, il n'y a pas de garantie. C'est un peu dommage, quoi. C'est un peu frustrant aussi. En même temps, humiliant en soi. Il faut avoir une autre vision, franchement. Il faut avoir une autre vision de la vie, de comment prendre cette génération, comment essayer de rendre tout le monde stable. Parce que si les enfants sont stables, nous les parents, on est déjà contents. Mon rêve est qu'elle devienne quelqu'un de la vie, comme tout le monde, comme tous les enfants. Et tous les enfants ont droit à la réussite, ont droit au bonheur. Je suis mariée en 17 ans. Je suis en classe de 1. Je suis en classe de Misola. Je suis en classe de Barche. Je suis en classe de Béhi. Je suis en Béhi. Je suis en classe de Côte d'Ivoire. Je suis en classe de Tunis.